Hey yo les gens, c'est Monsieur Guitec, comment allez? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain Call of Duty WW2. Voilà, je vous mets deux clips en mêlée générale en compte des bots. Voilà, il y a deux games, les deux games et sur la même map. Voilà. Alors, les mecs, je prends mon téléphone et on va regarder est-ce que c'est vraiment officiel, est-ce que le prochain Call of Duty qui va peut-être sortir au mois de novembre, parce que souvent les Call of sortent au mois de novembre. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que sera WW2? Je sais pas qu'est-ce que veut dire les deux WW. Je pense que ça sera peut-être Warfare. Il y aura un Warfare dedans peut-être. Mais le problème, ils ont triché sur un des jeux, Battlefield 1. Parce que Battlefield 1, on pouvait voir que c'est un jeu de guerre sur la Première Guerre mondiale. Mais le WW2 COD sera sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils ont pas triché, mais ils ont fait comme Battlefield. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Pourquoi ils ont pas sorti un autre Call of Duty customisé? Voilà, c'est de Rostom, comment dire ça? Custom, un autre Call of Duty qui est déjà sorti. Comme voilà, moi j'ai envie de faire un retour, c'est sur MW3. Pourquoi ils sortent pas MW3? Mais c'est qu'ils Rostom, qui refasse tout MW3, qui le sortent sur Play. Pourquoi pas? Mais non, ils ont fait un WWE. Voilà, c'est pour ça que je suis sur le site. Voilà, je suis sur le site. Hein. Alors, Call of Duty 2017. Des images fuites montrent la Seconde Guerre mondiale. Je vais essayer de vous montrer vraiment bien l'image sur la cam. Voilà. Voilà l'image. La Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre. Voilà. Prochain Call of Duty. C'est la réponse dans la seule image qu'ils ont mis. Voilà. Alors, la première image du prochain Call of Duty est fuitée. Elle est à l'envoi du lourd. C'est vrai qu'à l'envoi du lourd, hein, je vais vous remonter encore une fois. Je sais pas si c'est comme ça, c'est mieux ou pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Regardez, voilà. L'image. Ouais, c'est vrai qu'à l'envoi du lourd, ça donne envie de l'acheter. Voilà. En plus, c'est Seconde Guerre mondiale, c'est comme la première. Voilà. Les joueurs, on les présentait depuis déjà un bon moment. C'est désormais confirmé. Des photos du packaging du nouveau Call of Duty est fuité sur Internet. Elle semble confirmée en trame de fond en air de la Seconde Guerre mondiale. Développé par Sledgehammer Games, ce nouveau épisode proposera donc bien un retour aux sources, comme le teasait. Wow, il y a des mots, mon pote, c'est un truc impossible à lire. C'est enfin, la première fois que je vois ce mot, les gars. Teasait. T-E-A-S-I-A-I-T. Voilà, moi ce mot-là, la première fois que je le vois. Voilà, il y a un peu d'Activision, désolé, au sujet du Call of Duty 2017. Sur le visuel proposé par le Steelbook, le titre aurait également été liké, puisqu'on peut le lire très distinctement Call of Duty WW2. Et ça veut dire pour World War II. Voilà, ça veut dire World War. Ouais, c'est un Call of qu'ils ont déjà sorti sur la PS, la PS2, la PS2, la PS3, World of War. Voilà, c'est un des premiers Call of Duty qui est sorti. Moi, ce Call of Duty, je l'ai déjà joué sur la PS2. Hein, voilà, premier. Si vous êtes sur PS2, le mec, il y a un Call of Duty. Voilà, je préfère vous préciser parce que moi, je l'ai acheté. Hein, je peux le savoir. Voilà, il ignore encore sur le titre. Au poil banal, sera définitif ou non. Mais une chose est certaine, le prochain Call of Duty devrait nous embarquer sur la plage de Normandie. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est quand même en France, quoi. Ça se passe quand même. Le prochain Call of Duty se passe en France, ça veut dire. Ah, moi je vois bien, devrait nous embarquer sur la plage de Normandie. Pour moi, c'est en France. C'est en France, les gars. C'est vraiment en France. Peut-être que le Call of Duty sera enfin en France, les gars. Peut-être, on sait pas du tout. Et pour l'instant, c'est pas officiel. Voilà. Je vais vous montrer une autre image là qui vient de nous montrer, voilà. Call of Duty WW Likey. Regardez, voilà. Voilà, normalement ça sera peut-être la couverture du prochain Call of Duty. On n'est pas sûr pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Voilà. Après, il y a encore des autres images. Hein. Le premier leak de Call of Duty WW2. Je vais vous la montrer, hein. Je vais vous montrer toutes les images hein, qu'ils nous proposent. Voilà. Il y a encore une autre image, plutôt sympa ce Steelbook. Ça veut dire quoi Steelbook? Ça veut dire l'image du jeu. Voilà, attends, je vais vous montrer un jeu, hop, comme Black Ops. Voilà, c'est ça un Steelbook.
c'est tout l'image, c'est la couverture, quoi. Voilà, c'est ça un steelbook. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Et en plus, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, c'est lui le deuxième steelbook. Est-ce que vous préférez lui ou lui? Ça peut être un des deux. Moi, franchement. Ah ouais, attendez, parce qu'il y en a encore un troisième. Il y en a encore un troisième, je vais vous montrer le troisième. Voilà. Hop, et ça c'est le troisième. Voilà. Troisième. Le deuxième. Vous voyez bien, c'est bon. Et le premier. Moi franchement, les trois sont pas mal. Franchement, lui, il est vraiment pas mal parce qu'on peut voir que franchement c'est un Call of Duty. Voilà, c'est écrit en gros. Mais même lui, hein, même eux, hein, c'est marqué sur la... comment dire ça? Ah merde, comment ça s'appelle déjà ce truc là? Bon, bref, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Moi, je préfère lui. Lui, il est vraiment stylé lui. Hein. Voilà. Bon, bref, voilà. C'était pour vous montrer. Hein, voilà. Prévu l'automne prochain. Ah voilà, hein, ça sera mois de novembre comme d'habitude. Le 2, entre le 2 et le 5. Souvent, c'est vers ces dates là. Voilà. Voilà, Call of Duty Infinite Warfare, qui à l'époque n'avait pas fait un bon lancement sur Black Ops 3. Si le dernier opus de saga de FPS avait reçu un accueil assez mitigé, Activision mise beaucoup, sur le prochain titre pour redorer l'image de sa licence culte. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait non plus un grand carnage sur Infinite Warfare. Pour moi, je le trouvais tellement pourri. Voilà, il y a quand même des gens qui l'ont acheté, hein, mais je sais pas comment ils font. Hein. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup de questions. C'est vrai que, parce que c'était bien, parce que pourquoi les gens l'ont acheté un Infinite Warfare? Parce que il y avait aussi Code 4. Voilà, il y avait Code 4. Et si les gens n'aimaient pas Infinite Warfare, mais ils voulaient Code 4, bah, ils étaient obligés d'acheter Infinite Warfare. Moi, au début, c'est ça que je voulais faire, mais je l'ai pas acheté carrément. Je me suis acheté Battlefield, que moi, normalement, je suis un grand joueur de Call of Duty. Et les gars, j'ai pas acheté un Infinite Warfare. Ça fait deux Call of Duty que j'achète pas. Il y a un 26 de Warfare. Je sais plus c'est qui l'autre. Je sais plus comment il s'appelle l'autre là. L'autre Call of. Infinite Warfare qui vient de sortir cette année. Mais l'année dernière, il y avait un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il était tellement pourri aussi ce Call of là avec les jetpack là. Il y avait Black Ops 3. Il y en avait un autre qui était avec le jetpack qui était tellement pourri. Et après, il y a Infinite Warfare. Franchement, pour moi, c'est les deux derniers qui sont sortis en Call of Duty. Ils sont tellement pourris. Pourquoi ils sont tellement pourris? Parce qu'il y a les jetpacks. On voit trop dans le futur. Ils pensent trop au futur, les gars. Pour moi, un Call of Duty, c'est un jeu de guerre, ok. Mais un jeu de guerre, je sais pas moi, de temps avant, mec, où t'as vu une guerre avec des jetpacks? Est-ce que à la vraie vie, la vie réelle, est-ce que vous avez vu des gars voler avec des jetpacks? Non, non, faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Alors c'est pour ça qu'ils sortent WW2, mais les gars, c'est bien parce qu'il n'y aura pas de jetpack, parce que je pense qu'ils ont enfin compris que les jetpacks, ça sert à rien du tout. Ils voulaient copier trop sur Destiny, mais Destiny, c'est pas pareil, c'est un jeu qui est sorti avec des jetpacks. C'est un jeu qui, comment dire ça, c'est le premier Destiny, c'est comme je dis, voilà, si c'était Destiny 2, et le 1, il n'y avait pas de jetpack. Ouais, ok, on aurait compris. Mais là, Destiny, c'est le jeu qui est sorti avec les jetpacks. Voilà, il n'y a que Destiny qui peut avoir les jetpacks. Voilà, nous, les Call of Duty, depuis tout premier Call of Duty, il n'y avait pas de jetpack. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu à nous coltiner à des jetpacks de ce putain de Call of Duty? Voilà, même sur Black Ops 3. Franchement, moi, Black Ops 3, je l'aime pas beaucoup. Je l'ai acheté beaucoup pour le zombie, parce que Black Ops 3, je le kiffe pas du tout, parce qu'il y a jetpack, voilà, il y a ça, après il y a l'autre Call of Duty qui est sorti, ça fait quand même 3 Call of Duty qui sont sortis des jetpack. Il faut arrêter les conneries, ils ont compris, Seconde Guerre mondiale, Call of Duty, ça au moins, ça va être un Call of que je vais peut-être acheter et vous proposer des gameplays dessus, ça c'est sûr. Voilà, franchement, ils m'ont tellement énervé, voilà. Là, Gap Power, mois de septembre, il y a le prochain Destiny qui va sortir. Voilà, eux, c'est jetpack. Ok, nous, on a connu le premier Destiny avec des jetpacks. Mais Call of Duty, nous, le premier, on n'a pas connu avec les jetpacks. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment déçu sur Call of.
Bah sur Call of, parce que Activision voulait trop copier sur Destiny, mais regardez, à la fin, bah ça a vraiment pas fait de succès. Voilà, moi ça fait comme 2 Call of Duty que j'ai pas acheté en 2 ans. Voilà. Bon bah moi franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a parlé un peu de WW2 War World 2. Voilà, franchement si ça vous a plu, max de like, abonnez-vous, partagez. Et les mecs, on arrive bientôt aux 500 abonnés. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye. C'était Monsieur Didek.